Les Tanzaniens du Simba SC se préparent à réaliser un exploit ce soir à Casablanca. Éliminer le Wydad, champion d'Afrique en titre, et se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions africaine. Un but du Congolais Jean Bakélé leur a permis de remporter la manche aller à Dar es Salaam. Le Sénégalais Pape Sako croit en la qualification. Nous sommes prêts à nous battre, nous ferons tout pour nous qualifier. Nous continuerons à nous battre pour atteindre les demi-finales. Du côté du Wydad, on ne cède pas à la panique. Le club est invaincu depuis 9 matchs à domicile et voudrait imiter le Raja qui avait dominé Simba en poule. Les champions du Maroc récupèrent le précieux milieu de terrain Mohamed Ounagem, absent à l'aller, et compteront sur le Sénégalais Bouli Sambou, 6 buts depuis le début de la compétition. On a travaillé davantage encore pour préparer le match retour, Inch'Allah, demain. Voilà, on a tous les armes avec nos mains. Et Inch'Allah, on fera tout pour effacer ce faux pas qu'on avait eu le phase aller. Parce qu'il s'agit du grand Wydad. Donc l'attente est grande. On en est conscient de cela. Donc voilà, l'équipe s'est bien préparée mentalement et psychologiquement. Et Inch'Allah, on fera tout pour se qualifier, Inch'Allah, demain. Le qualifié devrait affronter en demi-finale les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, large vainqueur du CRB, 4-1 à l'aller en Algérie.